Oui, du coup, YouTube, bienvenue pour le cinquième épisode. J'ai commencé un petit peu la partie sans vous, j'ai dû jouer 5 minutes. Et du coup, j'en suis arrivé là juste avant un petit peu. Rien du tout. Hein. Donc, bienvenue pour la cinquième partie de Nier Automata. Donc, regardez, il y a Sephiroth qui est arrivé là. Donc, j'ai juste avancé 5 minutes. Il n'y a rien de spécial de fait. Non, vraiment, juste rien. J'ai juste avancé, j'ai suivi le petit robot qu'on suivait depuis le début en fait. J'ai suivi le petit robot et je me suis battu contre plein de petits robots du même genre. Et puis il y a lui qui a pop d'un coup, il y a Sephiroth, il est arrivé. Épée, esquiver. T'as pas de pénis! Tiens. D'accord, attends, là on va passer sur du heal. Le heal c'est comment déjà? Ah, c'est comme ça. Ok, tac. Tac, tac. Ok, c'est bon. Moi j'aimerais bien lui le taper au cac. Il arrive. Ah! C'est pas vrai! Bah, du coup, YouTube, hein, je suis mort exprès pour vous montrer justement la scène en fait, c'est tout. Voilà, c'était juste pour vous. Qu'est-ce qu'il se passe? Et là, du coup, il y a Sephiroth qui va sortir du noyau. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enregistrer la VOD. Voilà, ils invoquent Sephiroth, quoi, les mecs. An android? C'est une machine énervée. Je suis d'or. Bah allez, on va lui mettre les dégâts direct. On perd pas de temps, on le tryhard. Oh oui, au début tu fais rien mec. Eh, on t'a grillé hein. Ce serait pas moi qui serais mort là-bas? Ah c'est moi! On va récupérer ce qu'on avait. Oui. Non. Oui. Bon du coup j'ai récupéré mon corps, les autres l'auront pas. Ah. Tiens. Tiens, on tryhard. Voilà. Non, on peut pas jouer à deux sur ce jeu. Bon alors là il est vénère, mais hop. On le connaît un peu maintenant. Ok, maintenant il nous esquive. Hop, là il va faire son truc d'explosion. Hop, on a esquivé. On va y tirer dessus. Tranquillou. Hop. Voilà. Hop. Hop, on esquive. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Là, on esquive. Ok, donc là il se met en l'air, donc on va pouvoir le tryhard de loin. Ah, ça c'est beau ça. Il arrive. Hop. Il est où? Par contre le jeu coûte très cher par contre. Le jeu il coûte 60 boules. 60 boules. Là on esquive. Hop. Là on le défonce. Allez, on esquive. J'ai esquivé, bien vu. Là il renvoie les boules. Hop. Merde, j'allais dire, putain, je pensais que j'allais me faire no shot, mais en fait si, ça y est. On esquive. Oh. Là.
Merde, l'enculé. Là, on est vraiment meilleur que tout à l'heure. Attends. Ok, on va... Dernière rangée, là. Nice. Bon, il était pas si compliqué que ça, au final, hein. Ok. Bienvenue dans le monde des vivants. Bienvenue sur Terre. Le mec il vient de net quoi. Ah. Ouais bah là c'est une fuite hein. What the fuck? Come on, through that hole. Attends mais au pif les gars. Non. Allez, y'a un corps! Pourquoi y'a un corps ici? On va le prendre. Récupérer. Y'a un mec qui est mort ici, on sait pas pourquoi encore. On verra bien. Hein. Ouais, le boss était vraiment à poil. Succédé, oui, c'est un garçon. Est-ce qu'il y avait pas de pénis? Je n'avais jamais vu une machine pareille, sans pénis. D'habitude, les créateurs prennent le temps de faire un pénis. Ah, tu m'étonnes que t'aies pas de réseau ici, mon pote. Hop. Soin moyen, ouais, ça c'est bien. Faudrait que je m'achète des potions au PNJ. Tout ce commence à avoir des golds, je pense. B. Ah, ça a poussé. Je suis un robot, hein. Je suis pas une jeune fille. Hein. Je le rappelle quand même. Ah! Oh, ouais, je vais pas me faire niquer par des. Par des sbires. Hop! Hop! On va en charger un là. Voilà! Il fait chier. Mais bah attends, tu vas pas me la faire comme ça, toi. Pif. Non mais oh. Là, il y a un corps encore. Un mec qui est mort ici. Ils sont vraiment nuls, les gens. Hein. Il y a peu, j'ai vu un rue de yeux rouges dans une cité. Ok, mais non, on va récupérer. Ah. Si, je peux peut-être changer de personnage. J'ai pas encore essayé. On va récupérer. Hop. Carrément, on va essayer de changer de bonhomme. Faut que j'y parle en fait. Voilà, si je choisis équilibré, il me donne un personnage. Si je choisis au contact, toujours le même personnage. À distance. Non, ça garde mes personnages. Je sais pas comment on fait en fait. Je pensais que c'était comme ça, mais non. Agressif? Non. Je sais pas du tout, ma chérie, comment on change. Peut-être plus tard dans l'histoire. Je suis bien avec la fille, moi. C'est le garçon, il a un petit short. J'aime pas ça, le petit short. Ok, c'est bon. Vas-y, contactez-les. 9S to bunker. Do you copy? I read you, 9S. Go ahead.
Voilà. On a passé le message. Ouais, la fille a beaucoup plus de classe. Hein. Tu la regardes. Le mec est cool aussi, hein, mais lui, il est parti. Hop, il y a eu du drop dessus. Ouais. Un câble tordu. Ah. Ah, encore. Fox qui est mort ici. Il y a peu, j'ai vu une machine affectueuse sur du sable. Putain, mais les mecs. Ah, alors, ça me fait penser à Super Mario, ça. Voilà. Il y a un coffre, là. C'est bien. J'ai eu quoi ? J'ai pas eu le temps de voir, j'ai pas vu. Toi, bah bim. Je sais pas quoi ils servent ces mobs à part se faire défoncer. Du coup, ce que j'ai compris, faut farmer un petit peu quand même sur ce jeu. Farmer un minimum. Ça, je farme un peu quand même au passage. Tout en avançant de l'histoire assez rapido quand même. Hop. Ok. J'aurais dû regarder à combien de temps j'avais commencé à filmer. Hop. Merde. Ok, là il y a un truc. Là c'est petit loot. Tac. Cristal. Très bien. Il y a des mobs, vous voyez les traces noires sur le mini-carte, c'est des mobs. Je le rappelle encore. On va commencer par lui là. Ils font des bulles. Hop. Tac. Alors ce jeu il est vraiment cool hein. Si t'as 60 balles à balancer dedans, faut pas hésiter, mais bon, c'est vrai que 60 balles ça fait mal quoi. Bon, elle est par là. Oh, c'est un gros lui. Voilà. Le loot. Voilà. Bon, on va aller vers l'histoire. On a déjà bien farm, c'est par là. Donc là, le pot orange, la mini-carte, hein, je le rappelle encore une fois. Donc prochaine cinématique, je coupe la VOD pour lancer l'épisode 6 du coup. Parce que je sais pas combien de temps ça fait que j'ai lancé la VOD, mais ça doit pas faire loin de 20 minutes je pense. Histoire que ce soit des VOD digérables quand même. Eh ouais. Ah, donc là, il y a un terminal. Eh, il va y avoir un peu de choses ici. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est un magasin. Attends, on va aller voir le magasin avant. Magasin. Hey. Hey. Thanks for securing access to those desert resources. It's a huge help. I know it isn't much, but please take this. It's the least I can do. Allez, donne. Be sure to swing by if you ever need anything. Oui. Ah, on a eu des soins légers, ça c'est cool. Bon alors B. On va acheter du soin justement. On était là pour ça. Donc on a 21 000 gil. Ça c'est cool. Donc soit moyen on va prendre plutôt. On va en prendre 15. 3000, ok. Ok, journal, carte. Jauge d'XP. Je sais pas à quoi ça sert tout ça. Dégâts. Ah. Mais c'est marqué en fait, jauge d'XP. D'accord. En fait les ATH c'est pour... c'est pour faire évoluer mon robot en fait, ma machine, les ATH. Jauge de PV.
Vas-y, on va s'acheter une jauge de PV pour voir. Voilà. Onde sonore, affiche. Info de l'ennemi. Info de l'ennemi, c'est bien aussi, vas-y, mais. Change de compétence. Allez. Et une carte. Hein, j'ai déjà une mini carte, je pense, mais bon. Allez, on va s'afficher ça. Coin de pêche. Allez, on y... ah non, non, ça coûte 5000. Et oh. Vas-y, jauge d'XP, on va s'en mettre une. D'accord, en fait, c'est comme tuner une bagnole, sauf que là, tu tunes un robot. Ok. Donc là, j'ai eu des trucs en plus, normalement. Donc là, j'ai eu des jauges en plus sous sous ma barre de vie, là. On la voit en haut à gauche. Donc là, il y a une sauvegarde qui est possible. Du coup, je vais faire ma sauvegarde. Et YouTube, du coup, on va s'arrêter là pour l'épisode 5 et on va démarrer direct nous pour l'épisode 6.